Bien, alors aujourd'hui nous sommes dans le quartier latin, à la Filmothèque, avec un réalisateur d'un film, Le Franc-Tireur, mais surtout un grand cinéphile, fondateur des cinémas Action et là, animateur, programmateur de la Filmothèque du quartier latin. Jean-Max, bonjour. Bonjour. Alors, dans notre série sur la cinéphilie parisienne, une petite question, finalement, sur le fait que ça fait des années que tu es cinéphile, ça fait des années que tu programmes des films, et qu'est-ce qui a fait que tu es né à Lyon en plus, la ville du cinéma. Mais j'ai passé toute ma jeunesse à Clermont. À Clermont-Ferrand aussi. Où j'ai animé un ciné-club de l'école, c'était ouais. À Subdeco. Et puis je suis rentré très, très vite dans le cinéma parce qu'après mon diplôme et avant le service militaire, j'avais à peu près 3 mois de libre et j'ai été l'assistant de Claude Chabrol dans Les Godelureaux. Voilà. Donc c'était ma première entrée professionnelle dans le métier. Alors justement, il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle Jean-Max Cos, cinéphile en action, un préface de Jean-Michel Frodon. Et on trouve alors une citation qui est assez étonnante, je voudrais peut-être que tu m'expliques un petit peu, c'est Claude Chabrol, un extrait de La Fleur du Mal, « Le temps n'existe pas, c'est un présent perpétuel ». Alors là, c'est de la philosophie carrément. Oui, c'est aussi une belle définition du cinéma. Oui. Moi, ça m'énerve toujours quand les gens disent « Ah, vous passez des vieux films ». Non, on passe des films classiques. Un bon film n'est jamais vieux. Hein. Donc, il définissait très bien, Claude, le cinéma avec cette phrase. Alors, quel a été, peut-être, est-ce qu'il y a un film qui a été un déclic, justement, pour te faire ressentir que le cinéma, c'était effectivement aujourd'hui, au XXe siècle, un art majeur, finalement. Hein, et que, effectivement, il n'y a pas de vieux et d'anciens films, il y a des films qui racontent des choses et qui font réfléchir. Le premier film qui m'a vraiment remué, c'était Viva Villa, qui est un film de Jacques Conway sur Pancho Villa. Et j'ai été pris, pour ne pas dire bouleversé, par ce film, qui n'est pas un film sublime, mais c'est ça qui m'a vraiment remué sur le cinéma. Je me suis dit, avec le cinéma, on peut faire plein de choses. Alors, plein de choses. Donc, du coup, tu animes un ciné-club. Commande d'animateur du ciné-club, tu deviens, alors là, on va faire un flash-forward dans le temps, responsable avec un ami, un associé, c'est une rencontre parce que vous fondez le réseau Grand Action à deux, c'est expliqué un petit peu dans le livre, mais est-ce que tu peux expliquer cette aventure pour le public? Quand je suis rentré du service militaire que j'avais effectué chez les parachutistes, ce qui m'a évité l'Algérie parce que on discutait les accords d'Évian. Et les parachutistes, ils étaient assez remuants. Donc, pour éviter les bavures, nous dirons, on les a rapatriés en France. Donc, j'ai fait mon service en France, à Carcassonne. Et après, il fallait trouver un peu de travail quand même. Donc, je suis rentré, comme j'étais jeune cadre, je suis rentré dans une compagnie d'assurance. Et c'est là que j'ai rencontré mon associé. C'est-à-dire, le matin, on travaillait dans les services, on apprenait le métier. Et l'après-midi, on avait un bureau pour réfléchir à ce qu'on avait fait le matin. Oula, on a vu la neurasthénie arriver à grands pas. Et il se trouve qu'à côté de la compagnie, il y avait une salle qui avait été rachetée par un pied noir qui revenait d'Algérie. Il avait coupé la salle en deux, il avait fait un bistrot. Et la salle, ce qui l'intéressait, c'était le bistrot. La salle, quand il y avait un peu de monde, il mettait sa femme à la caisse, il appelait un opérateur, il tournait. Quand il n'y avait pas de monde, il ne tournait pas. Et donc, il nous a fait un crédit pas possible, en se disant, ils vont me payer deux traites, et puis je vais récupérer à la fois la salle et les deux traites. Et puis, bon, ça a marché, dès le départ. Donc là, on est dans quel coin de Paris, là? Alors, c'est dans le 9e, c'est... En gros, rue Lafayette. Ça existe encore aujourd'hui ou pas du tout? Non. Bon, fini. Le cinéma a été... Non, ça, c'est pas nous d'ailleurs qui l'avons vendu à autre chose que du cinéma, mais c'est devenu une supérette. Voilà.
Alors, on peut dire qu'il y a un travail, c'est ce qui apparaît dans le livre, un petit peu complémentaire avec Henri Langlois, qui est un peu ton papa de cinéma, ouais. L'idée de programmer des choses un peu comme la Cinémathèque, parce que, qui se retrouve aujourd'hui dans la Cinémathèque t'invite. Moi, j'ai énormément appris à la Cinémathèque. Langlois, c'est vrai que c'est un peu mon papa de cinéma. Et il se trouve qu'au moment où on a repris cette salle, Langlois se dirigeait, enfin la Cinémathèque se dirigeait un peu vers cinématographie moins diffusée, plus pointue, etc., et abandonnait un petit peu le créneau américain classique. Et donc on s'est dit, il y a des gens qui veulent continuer à voir des films classiques, dont nous, et donc on est parti là-dessus. On peut évoquer pour le public, qu'est-ce que c'est qu'un film américain classique que tu programmais à l'époque dans ce cinéma ? C'est tous les grands auteurs, Ford, Walsh, Lang, etc. quoi. Donc c'est la base du cinéma, pour moi, c'est l'évidence. Il y en a un qui est tes trois préférés parmi ces trois auteurs, grands auteurs classiques, si tu en as trois à citer. Je dirais d'abord Scorsese. Parce que c'est peut-être le plus grand cinéaste existant. Hein, c'est formidable, Scorsese. Qui adore restaurer les films. Alors, il y a une anecdote dans le livre, comme quoi il aurait essayé de grappiller un film ici, c'est vrai ? Exact. Oui. On t'a pas porté plein de coups, là, non ? Un jour, je l'ai vu, on le recevait, je l'ai vu descendre avec des bobines dans les bras. Je lui ai dit, écoutez, je suis désolé, mais c'est pas à nous. Ouais. Et donc, il a reposé. Souvent, la passion pour le cinéma. Mais c'est vrai que c'est formidable, Scorsese. Oui, Casino, c'est super travail. C'est un de tes films préférés, Casino. Tu le cites à la fin. Le plus grand film du monde. Oui. Il y a tout dans Casino. Ouais. Quoi. C'est un film magnifique. Je crois que si on apprend Casino aux élèves des écoles de cinéma, ils savent faire du cinéma. Le cinéma, c'est assez simple. En fait, c'est un plan. Le plan d'avant, le plan d'après. Et tout est là. Quand on a compris ça, et qu'on sait le faire, on sait faire du cinéma. Il y a des gens qui n'y arriveront jamais. Mais c'est vrai que c'est assez simple, mais compliqué à la fois. Alors, deux autres grands auteurs classiques que tu aimes dans le cadre de ce cinéma hollywoodien, après Scorsese. Grémillon. Sensible à Grémillon. Il n'est pas très américain. Non. Alors, si tu veux que des Américains... Oui, mais on parlera de Grémillon aussi. C'est important. Mais Grémillon... Parle-nous aussi sur Grémillon, parce que c'est vrai que c'est un de mes cinéastes préférés. Il est connu et à la fois pas connu. Alors, pourquoi tu as programmé des sites Grémillon ? Oui, Grémillon. Pourquoi ça te touche, Grémillon, finalement ? Parce que c'est très humain. Je crois que c'est des films qui vont droit au cœur. Et on est très proche de lui et de ses personnages. On n'est pas forcément proche des héros de La Prisonnière du désert ou de choses comme ça. On a de l'admiration. Mais Grémillon, il est là, quoi. Moi, j'ai adoré Grémillon. C'est sûr qu'un film comme Remorque, Lumière d'été... Moi, effectivement, le fait que tu m'aies donné la chance de faire un cycle ici sur la symbolique des images, je pense qu'on peut s'entendre sur le fait que les films de Grémillon ont différents niveaux de lecture, dont un niveau de lecture symbolique magnifique. Ouais. Et on peut vraiment reparler de Grémillon aux jeunes générations, c'est très même proche. Si c'est du noir et blanc. Hein. Tu vois, c'est vraiment très proche. Ouais, bien sûr. Et c'est bouleversant. Un autre cinéaste que j'aime beaucoup, c'est Ophuls. Je considère que Lola Montes, c'est aussi un des plus grands films du monde. C'est magnifique. La photo est sublime, l'utilisation du scope, etc. Là encore, c'est vraiment le film qu'il faut montrer dans les écoles de cinéma. Le cinéma peut être un art mais total, des fois, mais... L'ensemble d'Ophuls, c'est extraordinaire. Ouais. Alors, les deux autres Américains qui sont finis le podium, qu'est-ce qu'on aurait après Scorsese? Je mettrais peut-être Cassavetes, parce que c'est extrêmement personnel et c'est très touchant. On est vraiment bouleversé par les films de Cassavetes. Et pourtant, il nous montre des personnages pas très dans la ligne.
Mais c'est vraiment sublime, c'est très bien filmé. Et en plus, là encore, c'est un cinéma qui va droit au cœur. Alors, il y a un film, Un enfant attend. Vous êtes distributeur, je crois, oui, du film aussi. Oui, ben, c'est qui a été programmé plusieurs moitié fois. Cassavetes, si tu veux, parce que c'est un de ses premiers films. C'est un film de commande. Des artistes associés. À l'époque, il y avait le grand film. Et on mettait un film en plus. Hein, donc il y avait deux films au programme dans les salles américaines. Et il y avait toujours le grand film auquel on s'attachait, et puis bon, le film annexe qui était un film de studio, donc il n'y avait pas la même valeur. Hein, ça a toujours été comme ça. Et bon, Cassavetes, il s'est pas trop entendu avec son producteur, enfin voilà. C'est un film à part. Bon, c'est intéressant pour les gens qui comme moi, aiment beaucoup Cassavetes, parce que ça fait quand même partie de son œuvre. Mais c'est pas mon Cassavetes préféré. Alors, un troisième auteur américain, du coup, le troisième, ça serait qui? Écoute... Je ne sais pas trop que te dire. Là, alors, il y en a plein. Peut-être celui qu'on programme. Peut-être Ford, quand même. Oui. Parce que là aussi. Alors, bon, on a dit. C'est un type qui était très en avance sur son temps, politiquement aussi. Hein, c'est un type qui faisait travailler les Indiens. Dans ses films, il y a des Indiens. C'est des vrais Indiens. Parce qu'ils considéraient qu'ils n'arrivaient pas à gagner leur vie et ça leur permettait d'avoir un peu de fric. Hein. C'est pour ça qu'il a toujours refusé de prendre des visages pâles, peinturlurés. Et puis c'est quand même magnifique, La prisonnière du désert. C'est un sommet quand on voit Natalie Wood qui saute dans les bras de John Wayne à la fin. On est soulagé, parce que ça aurait pu mal se terminer. C'est quand même énorme. Ouais, Et après, on dit, c'est un réactionnaire, c'est pas vrai du tout, d'où ces films. C'est démontre le contraire. C'est un mec qui s'intéressait pas aux femmes, c'est le contraire. Hein, il termine le dernier film qu'il fait, c'est Seven Women, qui est une histoire complètement de femmes. Et où elles sont héroïques d'ailleurs. Non, ça c'est vraiment un très grand. Alors on retrouve cette influence du western dans le seul film que tu as réalisé jusque-là. Est-ce qu'à un moment donné il y a eu un dilemme entre le fait de dire est-ce que je choisis d'être finalement de diriger une salle ou de faire du cinéma? Les deux carrières sont difficilement conciliables. Donc du coup, est-ce que tu as sacrifié une carrière de cinéaste au fait de faire ce travail-là ou pas? Comment tu es devenu réalisateur? Je crois en effet que tu as un peu raison, que j'ai un peu sacrifié le cinéma. Je peux pas dire que je le regrette, mais voilà. Et j'ai envie quand même de faire un ou deux films avant de mourir. Mais c'est vrai que j'ai plein de projets, j'ai plein de films écrits, etc., que j'ai jamais tournés. Et ça a été une aventure formidable. On a tourné à deux, et heureusement, parce que la production assurait pas vraiment. Et donc, il y en a un qui préparait les plans du lendemain qu'il allait tourner, et l'autre il tournait sur le moment. Donc heureusement qu'on était deux, ce qui a permis de faire ce film qui est quand même un peu à tendance américaine. Hein. Faut reconnaître que moi j'avais vu Le chef opérateur et j'avais montré des films d'Anthony Mann, ça s'appelait Yves Lafaille, donc en Technicolor, qui étaient des westerns un peu de montagne. Et je lui ai dit, voilà ce qu'il fait avec du Technicolor. Je ne peux pas te donner du Technicolor. Tu vas avoir de l'Hispanicolor. Je voudrais que tu retrouves les teintes d'Anthony Mann. Et en fait, c'est ce qu'il a fait. Oui, alors, on va faire un petit flashback sur la présentation du film qui est ressorti
à la Filmothèque il y a quelques temps. Donc on va te voir présenter la séance et discuter avec le public. C'était effectivement un moment intéressant pour moi qui n'avais jamais vu ce film, et c'est une aventure, effectivement. Allons-y. Bon, maintenant on va passer au plat de résistance, c'est le cas de le dire. C'est un film que j'ai conçu avec un camarade d'école qui a fait avec moi ce Deco à Clermont. Et on avait envie de faire un film dans le Vercors. Le Vercors, c'est un haut plateau, très isolé, avec très peu de portes de sortie. Il y a quatre routes, quelque chose comme ça. Tout le reste, c'est des pistes de montagne. Et donc, il y avait un... Ça a été un lieu de résistance important. C'était une résistance qui se regroupait sur le plateau, qui descendait faire des opérations dans la vallée et qui remontait dans les bois. Et alors les Allemands, quand ils sont arrivés, quand ils sont arrivés à Grenoble, ils sont montés et puis ils se sont fait descendre. Les types sont allés se cacher dans les bois, ils ont refait une attaque à nouveau, et puis ils ont dit, bon, ben, c'est pas la peine de se faire déquiller pour rien. Bon, ils sont sur leur plateau, qu'ils y restent, ce qui était une erreur, parce que pendant ce temps, les résistants faisaient un travail dans la vallée considérable. Et donc, quand on est allé sur ce plateau avec Taverne, on voulait faire un western. Un vrai western avec des chevaux, parce qu'il y a des chevaux semi-sauvages sur le plateau. Puis une fois qu'on a été là, on a vu les lieux de la résistance. C'est assez prenant parce qu'on n'a pas construit, rien n'a changé. On voit par exemple la croix des Glovettes qui était près de Villard-de-Lans, où deux jeunes se sont fait descendre par les Allemands. Elle est là, la croix des Glovettes. Hein. On est devant, rien n'a bougé, il n'y a pas de plaque, il n'y a rien. Et quand on connaît l'histoire, ça vous remue beaucoup. Le pas de l'aiguille aussi, là il y a une grotte. Il y a des résistants qui sont montés de la vallée le jour où les Allemands sont arrivés sur le plateau, sont arrivés avec des planeurs. Hein. Le jour où les Allemands sont arrivés sur le plateau, et en arrivant, ils tombent sur les Allemands. Donc ils se réfugient dans une grotte et ils sont restés 3 jours. Et au bout de 3 jours, ils ont réussi à s'enfuir et à redescendre dans la vallée. Ils sont allés à la libération de Lyon après. Et bien elle est là, la grotte. Hein. Et on se dit, bon, il y a 30 bons hommes là-dedans. C'est très impressionnant. C'est ça qui est magnifique dans le Vercors, c'est que rien n'a changé. Et quand on connaît l'histoire du Vercors, donc on s'est dit, bon, il y a une histoire. L'histoire de la résistance correspond pas mal à l'histoire de l'Ouest américain, une redéfinition des valeurs. Et donc on est parti sur cette espèce de track. On s'est adjoint un des grands reporters du Dauphiné libéré qui a écrit plusieurs bouquins sur le Vercors pour éviter de dire trop de bêtises. Et puis on a raconté notre histoire en fonction du terrain. Donc vous allez voir, c'est une balade sur le Vercors, enfin, une balade poursuivie par les Allemands, hein, c'est pas forcément drôle, mais avec un itinéraire géographique. Et en fait, après le tournage, on a su qu'il y a un groupe qui avait fait exactement l'itinéraire qu'on avait retrouvé, donc qui était imposé par le terrain. Bon, c'est un film qui a été fait avec peu d'argent. Moi, j'avais eu une avance sur recette que j'ai donnée à mon producteur, qui était Francis Leroy, qui était un producteur de films porno, mais pas que. Il a fait un film qui s'appelle La Poupée Rouge, qui était très engagé. Il a fait ce film, donc il avait envie de s'en sortir un peu. Nous avions, Taverne et moi, le choix complet des acteurs, ce qui m'a permis d'avoir Léotard, c'est Truffaut qui me l'avait présenté. Et
On avait aussi la liberté de la photo. Ouais, la photo est très bien, c'est Yves Lafaille. Et je lui avais montré dans ma salle deux films d'Anthony Mann qui se passent en montagne, des westerns. Et je lui avais dit, tu vois, Anthony Mann, il fait ces couleurs-là avec du Technicolor. Moi, je ne peux pas te donner du Technicolor parce qu'il n'y a pas moyen. Tu auras de l'Hispanicolor et je voudrais qu'avec l'Hispanicolor, tu arrives à me retrouver un peu ces teintes. Et vous verrez, la photo est très réussie. Ensuite, bon, le film, vous verrez, est quand même assez engagé politiquement. Il ne faut pas oublier que De Gaulle a lâché le Vercors. Il y avait eu l'arrivée des Alliés, puisqu'on était en juillet, ils étaient là depuis juin. Et en fait, quand il y a eu l'attaque, le patron du Vercors est allé à Alger, où il y avait De Gaulle et il y avait le commandement allié, pour demander de l'aide. Et il n'a même pas pu être reçu par De Gaulle. Ça s'est soldé quand même par 900 morts sur une toute petite population, grande surface, mais une petite population. Voilà, ben c'est cette histoire que vous allez voir. Et bon, ben je vous souhaite une bonne balade, parce que c'est avant tout une balade. Et le film donc a été interdit. La télévision l'avait acheté au moment de son tournage. Et elle ne l'a pas passé. Elle l'a payé à mon producteur, mais elle ne l'a pas passé. Et quand j'ai récupéré le film, parce que la société de production a fait faillite, mais pas à cause de ça, quelques années après, France 3 a racheté à nouveau le film, et ce coup-ci, France 3 l'a passé. Donc, et puis il est sorti, il a été présenté en particulier à l'étranger, dans différents festivals, et là donc on le ressort dans une version restaurée, numérisée, voilà. Bon voyage. Bon, pas. On est tous dans la même galère. Tu étais dans quel réseau? Je travaillais, j'étais pas encore entré dans la résistance. T'as attendu le débarquement? Et toi, qu'est-ce que t'as fait de plus? Les Allemands sont là! Vous avez l'air d'un drôle de guerrier, vous. Mais je suis pas un guerrier. Et puis vous êtes belle, je vois pas pourquoi j'irai plus loin. J'ai peut-être mon mot à dire, non? Eh bien, dites-le. Vous n'avez aucune chance de vous en tirer seul. Ça, c'est un point de vue. Je pense exactement le contraire. C'est vous qui perdez la guerre. Je crois qu'il y a peu de chances qu'on vienne nous aider. Les Alliés ont d'autres chats à fouetter. Nous, on ne compte pas. On serait même plutôt gênants. Chut! Écoutez. Suite de l'aventure cinéphile du duo, hein, Jean-Max Cosse-Rodon, sur le qu'est-ce qu'on peut dire finalement du réseau des salles Action École. Alors, réseau qui aujourd'hui n'existe plus, il reste quand même le Grand Action avec la salle Langlois que tu avais mis en scène, hein, qui est toujours là. Comment on passe d'une salle à tout un réseau de salles pour finalement revenir à une seule salle, c'est tout. C'est un parcours. Oui, assez... ça n'exagère pas un réseau. On a ouvert ensuite l'Action République, donc à côté de la place de la République. Ça fait deux. Mmh. Et puis on a divisé l'Action Lafayette en deux, avec une fameuse petite salle.
avec une projection par périscope, c'était un truc. Et après, on est parti en rive gauche, donc ça a été le Christine. On a revendu la rive droite. Et on a créé le Christine, le Grand Action, et on a programmé l'Action École, qui n'était pas à nous, mais dont on s'est occupé complètement. Alors ça, nous, c'est avec ton binôme voilà. Rodon, quoi. Hein, l'idée, c'était de pouvoir sortir de temps en temps des coups de cœur inédits. Par exemple, le premier film de Jim Jarmusch, pour qu'on ne pouvait ça on pouvait pas le faire en rive droite, il fallait vraiment avoir une salle au Quartier Latin. Et donc on est parti là-dessus avec de temps en temps l'histoire de Jarmusch, c'est simple, c'est que on avait sorti des films comme ça, c'est des écoles new-yorkaises, d'Amos Poe en particulier, et un jour, on voit Jim Jarmusch qui arrive, connaissait pas, et il nous dit, je suis Jim Jarmusch, il avait une bobine 16 mm sous le bras, et il dit, vous avez sorti des films de mes copains, est-ce que vous accepteriez de sortir le mien? Donc on a regardé, c'était Permanent Vacation, c'était son premier film. Bon, on n'a pas sauté en l'air, parce qu'on s'est dit, comment on va le faire marcher? Mais, le type, il avait traversé l'Atlantique avec sa bobine sous le bras. On n'allait pas lui dire, écoute, ok, tu peux repartir. Et donc, on a sorti ce film. Qui n'a pas marché beaucoup, mais on a eu beaucoup de presse. Et la presse a servi pour son second film, quand il a voulu le sortir, pas chez nous. Voilà. Mais il est devenu culte depuis, et puis Jarmusch, il fait l'ouverture du Festival de Cannes aujourd'hui. Donc bon, c'était quand même un choix osé à l'époque, mais qui avait intéressant. Est-ce que du coup, il y a d'autres coups comme ça de films dont tu, rétrospectivement, tu penses que ça a été important de les montrer dans ton réseau de cinéma? Oui, je vais te donner un exemple. John Huston avait tourné « Reflet dans un œil d'or » et il voulait que le spectateur voie le film à travers un œil d'or. Donc il est allé voir le labo et il a obtenu une copie avec des teintes mordorées très particulières, etc. Il a amené ça à Warner. Warner lui a dit, je paye pour un film en couleur, je veux un film en couleur. Donc, terminé. C'est sorti dans des teintes normales, etc. Et quelques années après, un distributeur français avec lequel on était très lié, qui était les grands films classiques, Maréchal, rachète le film. Et on lui dit, écoutez, sous un bureau, il y a une copie qui n'a jamais tourné, et qui est la copie dorée de John Huston. Est-ce que ça vous intéresse? Donc il dit, évidemment oui, on sort le film, et puis il n'y avait qu'une copie, finalement, elle s'abîme, etc. Et il y a quelques années, j'ai Warner Burbank, les studios, qui m'appellent, en me disant, c'est bien vous qui avez sorti Reflet dans un œil d'or en copie dorée. Je dis oui. Ils me disent, ben voilà, on voudrait refaire une copie dorée, mais on n'a aucun élément. Bon, alors je dis, est-ce que vous auriez même abîmé une bobine, etc. J'ai dit non, c'est détruit, et de toute façon, on a l'obligation de détruire le film quand on n'a plus les droits. Alors ils me disent, écoutez, si on vous tire quatre fois la même bobine, avec des teintes différentes, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui correspond le plus à votre souvenir? Ah, oui. Alors je dis bon, essayons. Et donc on a reçu les quatre bobines, quatre fois la même. Il y avait Michel Simon, il y avait Patrick Brion. Ben, on a réuni 4-5 personnes qui connaissaient bien l'œuvre de John Huston. On s'est projeté ça, on est tous tombés d'accord sur la bobine qui nous paraissait la plus proche dans notre souvenir. C'est quand même formidable
que le plus gros studio des États-Unis ait besoin d'un petit exploitant parisien pour le sortir de ses problèmes. Étonnant, oui, oui, ce qui montre que les Américains sont pas vraiment on était très fiers. Ah, ouais. Et depuis, alors, le film existe en DVD dans les deux versions. On peut voir la version colorée, c'est important. Ah, c'était une grande fierté. Alors ça me fait penser aussi, il y a tout un travail de restauration qui est évoqué dans le livre sur Peckinpah, parce que ton fils est fan de Peckinpah. Oui, exact. Alors donc ce film, en plus, je crois qu'il existe il a été remonté, on a remis ce que Peckinpah voulait faire alors qu'il avait été totalement remis dans un ordre chronologique. Voilà, c'est un film avec plein de retours en arrière. Voilà, ouais. Et quand ils ont vu ça, le studio a dit « Vous rigolez, on ne comprend rien ». Et ils l'ont remonté chronologiquement. Et en fait, il y avait les cahiers du monteur. Et donc, on a obtenu qu'il refasse un montage en suivant les données. Donc, c'est grâce à nous aussi que le film est ressorti dans sa version voulue par Peckinpah. Voilà. Et qu'on trouve en DVD et qui est effectivement beaucoup plus puissant le poids du destin, la fatalité. Absolument. Il y a une poésie vraiment magnifique. Voilà. Alors, un point peut-être sur la méthode Cosse-Rodon qui est évoquée, parce que Jean-Marie Rodon, c'est quelqu'un qui est quand même apparemment, si tu fondes ce travail avec lui, vous êtes assez complémentaire. Oui. Alors comment cette méthode, tu pourrais de travail, est-ce que tu peux, pour ceux qui n'ont pas connu tout ça, comment tu pourrais l'expliquer, cette chimie qu'il y avait entre vous deux? Oui, disons que moi j'étais plus connaissance du cinéma et tout ça, et lui était plus organisation. Donc en fait on avait chacun notre domaine, on n'avait pas le temps d'apprendre à l'autre nos connaissances, mais... on était très proches et je crois que c'était... on a bien fonctionné comme ça. Combien de temps vous avez travaillé ensemble, si on résumait? Je ne sais plus, ça doit faire une vingtaine d'années. Oui, parce que du coup, vous divorcez, enfin, en 2005. Oui, le divorce, c'était... Ouais. Un jour, Jean-Marie me dit, « Ah, j'ai envie de vendre le Grand Action. » J'étais pas chaud, je connaissais à qui il allait le vendre, en plus ça ne m'inspirait pas énormément. Et puis j'ai dit, écoute, si tu veux, on vend tout. Je ne suis pas contre, mais vendre par appartement, je ne trouve pas que c'est une bonne solution. Et là il m'a dit, bon bah écoute, tu pars avec tes parts, je rachète tes parts. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, d'une façon un peu dure. C'était un peu vieux couple. Oui, il y avait le côté financier, le gestionnaire, parce qu'à l'époque ça marchait moins bien. Peut-être qu'il y a eu une espèce de baisse de fréquentation. Pas tellement. Pas tellement. C'est là où on s'explique mal en fait, hein, quand on lit le livre. Je t'en reparle. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné l'aventure s'arrête? Parce que c'est le temps qui passe. Ouais. Je crois qu'il ne faut pas chercher trop d'explications. Ça m'a permis, je suis parti, de racheter ici. Alors oui, alors comment se fait, c'est évoqué en deux mots, mais on peut imaginer qu'à un moment donné, tu as envie de tout arrêter, et puis là, tu reprends quand même un cinéma. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était une distributrice de films espagnols, hispanisants, Amérique latine, qui l'exploitait, et donc ça marchait pas fort, et le peu que ça marchait, ça lui prenait des clients sur le Latina, qui à l'époque était sa seconde salle, donc elle n'avait pas intérêt à garder. Donc bon, moi j'arrivais avec mes parts, donc un peu de sous, ça s'est passé comme ça, j'ai racheté, la salle faisait à peu près 50 000 entrées par an, elle en fait 110 000. Quoi. Voilà. Donc ça a beaucoup évolué. Alors, la salle, parce que j'ai juste déplacé ma caméra et on va voir qu'il y a effectivement deux portes. Alors une porte avec la figure de Marilyn, la salle rouge,
et une porte qu'on voit depuis un bon moment à la salle bleue avec c'est Audrey Hepburn. Audrey. Alors pourquoi c'est toi qui as choisi de la couleur des salles? Alors j'ai pas connu Marilyn. T'as pas connu Marilyn et Audrey. en dehors de... oui. Par contre j'ai croisé Audrey parce que l'attaché culturel de l'ambassade américaine. Quand il passait à Paris un comédien, une comédienne ou un réalisateur, il faisait un pot. Et bon, on était 20, hein, c'était vraiment très intime. Et un jour, on a vu Audrey arriver au bras de Sean Connery, et elle était presque aussi grande que lui. C'est, en fait, on a l'impression que c'est une petite poupée, pas du tout. C'était quelqu'un de... C'est pour ça que Givenchy l'aimait bien, parce qu'il n'avait pas besoin de lui faire des robes spéciales, elle prenait les robes des mannequins. Et on a reçu ici, à peu près 2 ans après la mort d'Audrey, on a reçu Givenchy pour présenter un film d'Audrey. Alors, c'était un vieux monsieur, donc il a sorti son papier, il a lu un petit compliment. Et puis après, les gens ont commencé à lui poser des questions. On est parti dans une soirée avec des anecdotes formidables. Alors, quelles seraient... C'était deux actrices féminines préférées, du coup, pour ce choix de... C'est deux grandes, deux quoi, grandes, ouais. Et en plus très différentes. Alors, quel serait le film de chacune que tu préfères, si on peut... comme ça, pour Audrey Hepburn, ce qu'on vient de l'évoquer. Je ne peux pas te dire comme ça. Moi, j'aime beaucoup Vacances romaines. Hein. Mais il y a plein de films. Je ne me rappelle plus du nom du film où elle est en religieuse. Donc, dans une île, tout ça. Donc, c'est une très grande comédienne. Hein. Puis Marilyn, c'est Marilyn, quoi. Et j'ai été toujours passionné par la mort de Marilyn. Bon, tout en étant persuadé qu'elle a été finalement assassinée, entre guillemets, par les Kennedy. Et sacrifiée par un système, oui. Voilà. Hein, ouais. Elle était très proche des deux Kennedy. Mm. Moi, je suis un grand fan, grand admirateur des Kennedy. C'est toute mon époque. Enfin, tout ça, c'est une histoire folle, mais c'est passionnant. Alors, Marilyn, qu'est-ce qu'elle te laisse comme souvenir, comme scène, comme film marquant, on est vraiment sur une icône du cinéma, là. C'est une image. Bibou. Voilà. Alors, c'est Delon, dans une interview récemment, il disait, moi, je ne suis pas un comédien, je suis un acteur, et bien c'est ça, un acteur. La présence. C'est quand il arrive, il n'y a plus que lui, quoi. Voilà, donc Marilyn est toujours présente ici, c'est magnifique. Alors, je te propose, pour qu'on parle un petit peu de ce cinéma, est-ce qu'on peut aller visiter et voir une salle dans laquelle on peut s'installer pour continuer de discuter? On y va. On y va? Voilà, super. Dans la salle bleue de la Filmothèque. Filmothèque qui existe depuis, ça fait 11 ans déjà. 11 ans. Hein, donc on a passé le cap fatidique des 10 ans. Alors si on essaie de se remémorer des soirées ou des choses qui se sont passées ici, des ciné-clubs, il y a le ciné-club d'Alain Garel qui existe régulièrement. Tu peux en dire deux mots peut-être de... Projection d'un film et puis analyse de séquences. Donc après, on revient sur certaines séquences. Donc, c'est intéressant. Et alors, aussi des thématiques sur l'histoire du cinéma, du plan, des cadrages... Tout à fait. Voilà. Alors, est-ce que tu, au niveau des personnalités qui sont venues, tu as des souvenirs ou des anecdotes à nous raconter? Michael Cimino. Ouais. Alors, on le recevait, et puis... on me dit, oh là là, fais attention, il est en très mauvais état, donc prévois un fauteuil. Bon, je prévois un fauteuil, et puis je vois arriver un petit bonhomme dans la rue Champollion qui gambade,
Il vient à toute allure, comme ça. Il traverse la salle, il s'assoit sur l'estrade et il commence à répondre aux gens. Ça, c'était... Et en fait, il est mort 2 ans après, quand même. Ouais. Alors, c'est vrai que Tarantino, quand il préparait Inglourious Basterds, il venait régulièrement ici. Voilà, parce qu'il préparait ça dans le bistrot du Reflet, qui est en face de chez nous. Et puis, c'était en été. On avait un grand festival de western. Et à 6h du soir, il venait s'aérer la tête en regardant un western. Oui, oui, il est venu souvent à ce moment-là, oui. Alors, sur la programmation actuelle de la Filmothèque, alors est-ce qu'on peut dire que c'est toujours une programmation par rapport à des cycles d'auteurs, d'acteurs en lien avec l'actualité? C'est ça un peu votre... Ben, c'est ce qu'on essaye de faire. Bon, sortir un inédit, on a immédiatement 2 salles de l'Odéon, quelquefois en plus une 3e salle, donc... Et les gens ne viennent pas chez nous pour voir un film nouveau. Hein, c'est très clair. Par contre, on essaye de s'accrocher à l'actualité en présentant les films précédents de l'auteur. Voilà. Alors, il y a Bong Joon-ho, par exemple. Par exemple. Alors, malheureusement, alors là c'est pour t'amener aussi sur la question de l'avenir de la salle de cinéma. Okja de Bong Joon-ho, qui est un film moi, que je ne verrai jamais, parce que bon, mais je ne veux pas prendre Netflix, il n'est pas en DVD, il est sur Netflix, et il n'est pas dans ta salle. Alors, qu'est-ce que oui, tu en penses de écoute, ça? Écoute, Netflix, il y a une évolution. Ah. Hein, ils sont en train de racheter des salles. D'accord. Il ne faut pas oublier. Donc, il y a quand même cette idée que la salle est importante. La salle, c'est un endroit qu'on ne peut pas remplacer. Hein, nous, de temps en temps, on a des jeunes qui ont vu le film sur tablette, sur leur téléphone portable, et qui viennent en disant « le film m'a plu, je veux le voir en salle ». Donc c'est bien qu'on amène autre chose. Et puis, il ne faut pas oublier que les salles se développent. Hein. On crée des salles en France, on en crée en Angleterre, on en crée aux États-Unis, en particulier des multiplexes. Et où est-ce qu'ils sont venus voir comment c'était chez nous. On crée des salles en Chine. Il y a un écran par jour qui s'ouvre en Chine. D'accord. Mais alors, est-ce que c'est des salles? En fait, la question, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit les multiplexes, on voit le genre de films qui passent dans les multiplexes. Voilà, un petit film d'auteur, par exemple, ton film Le Franc-Tireur, aujourd'hui, il passe dans aucun multiplex en France. Oui. D'accord. Donc, du coup, est-ce que, alors, sur le modèle de la salle RSS, tu es quand même optimiste sur l'avenir des salles comme la tienne? Il y a une complémentarité. Ah. Et à partir du moment où on s'intéresse au cinéma, c'est tout le cinéma. Bon, il faut les amener à s'intéresser aux classiques. C'est pas facile. Hein. Surtout en ce moment, pour amener les jeunes, c'est pas facile. Mais, bon, je déjeunais avec les gens de la Cinémathèque il y a quelques mois, et ils me disaient, chez nous, la FEMIS, donc la grande école de cinéma, les élèves ne payent pas, ils ne viennent pas. Ah oui, étonnant, effectivement, donc, comme quoi c'est pas l'argent, voilà. Pas le... Donc, voilà, il y a tout un travail, et bon, on étudie ça, c'est pour ça qu'on fait cette espèce de ciné-club avec Garel, etc., il faut attirer les jeunes. Donc redévelopper les ciné-clubs, ça c'est une... Peut-être, enfin il faut qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas de vieux films. Il hein, n'y a rien qui m'énerve autant que dire « Ah, vous passez des vieux films ». On passe des films classiques. Hein. Et je pense qu'une fois qu'ils ont passé leur truc des grands Avengers et tout ça... Ben, ils ont envie d'aller plus loin, il faut leur donner cette envie. Et ce qui est formidable à Paris, c'est que il y a un grand nombre de salles. Nous, par exemple, dans la rue Champollion, il y a 7 écrans. Et vous êtes complémentaires, vous marchez pas dessus, en fait, non. J'ai l'impression. Il y a 7 écrans ouais. Sur, qu'est-ce que je dirais, 100 mètres. Oui, oui. Donc, en fait, on est une espèce de multiplex culturel, bien qu'étant tous indépendants. Et c'est une raison aussi du succès. Et est-ce que par rapport au pouvoir public, la région, l'État, tu as des aides par rapport à ça? Oui, quand même. On a
disons, à peu près 15% de notre budget, enfin, de notre chiffre d'affaires, qui sont des aides publiques. Et pour l'instant, ça n'a jamais été remis en cause, quelle que soit la couleur politique du gouvernement. Donc, je pense qu'ils se rendent compte que... on ne gagne pas beaucoup d'argent hein, dans le cinéma. On reçoit les sous, hein, mais on n'en garde pas beaucoup. On en garde une petite partie, et tout le reste, ça va au distributeur, à l'État, etc., qui, lui, répartit aussi. Donc, voilà. Une boutique de fringues, elle gagne 10 fois plus. Quoi. Oui, oui. C'est pour ça qu'il y a une espèce de désertification des salles de cinéma sur ce qu'à l'école on appelait les zones de grande chalandise. Mmh. Donc les grands... faut pas oublier quand même aux Champs-Élysées, l'ambassade de Gaumont a été vendue. Donc, pour faire autre chose que du cinéma. Donc, il y a quand même, parce qu'ils trouvaient que les loyers étaient insupportables. Et la ville essaye, dans certains cas, de racheter les murs de certains cinémas et de leur faire un loyer acceptable. Oui, c'est l'histoire du Luxor, là, qui a été dernièrement... entre autres. Voilà, ouais. Donc, il y a bien conscience qu'on est donc économiquement faible, si je puis dire, et qu'il faut nous aider. Et la ville commence à le faire également pour les librairies, parce que les librairies commençaient à partir et à être remplacées par des boutiques de fringues. Voilà, bah c'est un bel îlot de résistance, effectivement, la rue Champollion, on peut voir plein de choses. Alors, est-ce que par rapport à tes projets de distribution, Tu sais, on est devenu distributeur parce qu'au départ, on n'avait pas de films. Ah, hein, les distributeurs ne donnaient pas de films, donc on s'est dit il faut qu'on en trouve nous-mêmes. Donc on a acheté des films, en particulier aux Américains. Et c'est des achats qui sont maintenant pour 3 ans. Et donc on est dépositaire du film, mais ça ne nous appartient pas vraiment. Voilà. Hein. Et donc, par exemple, il y a des belles rééditions. Là, c'est le cas de 1900 en ce moment, c'est chez vous, de Bertolucci. Oui, Novecento. Novecento, magnifique. Hein. C'est la même chose. On a payé ce film assez cher. Et donc, il faut le rentabiliser. 6 heures de cinéma, là, à peu près. Ah oui. Et ça marche bien, du coup, ouais, j'ai l'impression. Oui. Oui. Ouais. Ouais. Et. Donc, il faut. Les Américains, ils veulent des avances. Donc il faut leur donner des avances sur leur part. Hein. C'est-à-dire que si on ne fait pas le chiffre, c'est pour notre pomme. Et par contre, si on fait plus du chiffre, on repartage la suite. D'accord. C'est, ils savent faire les contrats. C'est très, oui, c'est tout à fait. Ouais, mais bon, c'est ça ou rien. Hein. Ouais. Si vous n'en voulez pas, c'est bien comme ça. On est quand même une petite économie pour eux. Alors maintenant, tu travailles avec ton fils, François, ouais, qui est très cinéphile, qui a écrit un livre sur Peckinpah qui est assez très intéressant. Il a été 10 ans en prof, ouais. En banlieue, il n'en pouvait plus, et puis moi non plus. Donc finalement, il est venu me retrouver, et ça se passe plutôt bien. Oui, parce que alors qu'il est programmateur, donc, comment vous partagez leur... Non, on fait tout ensemble. On fait tout ensemble. C'est un binôme perfide. C'est une petite boîte. Oui, oui, oui. Donc, oui, ça tourne. Et vous avez. Pas une séparation. Et vous avez plein de jeunes qui viennent travailler à l'accueil, faire des stages. Oui, hein, c'est ouais, ça. Il y a pas mal de stagiaires. Même des gens qui se passionnent, qui sont. D'un haut niveau, hein, scolaire. Et, on a cet été, on a une polytechnicienne qui a fait une thèse sur l'histoire de physique. J'ai rien compris. Ah oui, oui, c'est pas simple, des fois. Oui, oui. mais c'était. Voilà, c'est des gens qui ont envie de connaître un peu le cinéma, un peu en dehors de leur activité normale. Ouais. Quoi. Et ça, c'est bien.
Alors, toi, du coup, est-ce que ça, tout ça te laisse du temps pour repenser à des projets autour du cinéma ou de la course automobile? Parce que tu es toujours passionné de course automobile, je crois. Hein. Oui, ben, j'ai deux étoiles de la Fédération internationale de sport automobile. Ah oui. C'est-à-dire que je peux faire toutes les courses du monde, sauf les courses de Formule 1, parce que c'est une licence spéciale, à la fois constructeur et pilote. Mais oui, moi, ça a été une grande expérience. J'ai fait une école de pilotage difficile, où la faute n'était pas permise. C'est-à-dire que tu n'avais pas de deuxième chance. Ça, c'était l'école Winfield. Et dès que tu mettais deux roues dans l'herbe, au revoir, monsieur, vous passez à la caisse, c'est fini pour vous. Donc, ça, c'est bien parce que ça t'apprend tes limites. Et bon, j'ai fait ça tardivement. Hein. J'avais 35 ans, etc. Donc c'est un âge où les sponsors ne s'intéressent pas à toi. Donc je ne pouvais pas faire une carrière. Mais j'ai adoré ça. Ça a été un des grands plaisirs de ma vie. Alors de là en faire un film à un moment donné, un documentaire ou quelque chose, j'ai écrit une histoire, justement, qui se passe dans la Formule 1. Et qui est la rencontre d'une femme de pilote qui a été accidentée, donc qui ne peut plus courir, et d'un vieux pilote donc qui est retiré en Suisse, bourré du matin au soir, qui chante avec sa guitare, etc. Et finalement, elle va le ramener donc à la course. Donc c'est une jolie histoire. Une histoire d'amour aussi. Ouais, hein, ouais, c'est l'amour de la voiture, l'amour de... Ouais. Ouais. Bah, espérons qu'on verra ça sur un écran. Donc là, tu cherches des financeurs, des producteurs. C'est le moment de lancer un appel, on ne sait jamais, sur Internet. Ne vous gênez pas. Hein, donc l'adresse, c'est la Filmothèque. Jean-Max est présent, tu es souvent présent, on te voit souvent à l'accueil, accueillir le public. Ben, c'est important d'avoir des rapports avec les spectateurs, surtout les habitués qui sont indispensables. C'est un peu l'angoisse qui m'a appris ça. Ben non, parce que le cinéma, ça conserve finalement. Tu prendras jamais ta retraite. Ah ben, quand tu réfléchis bien. En plus, bon, ce qu'il faut dire quand même, c'est que le cinéma évolue énormément. Hein. Et je crois que c'est ça sa force aussi. Bon, actuellement, bon, là, tu vois, devant moi, il y a un écran. Bon, maintenant, il y a donc un projecteur et un écran. Il va bientôt plus avoir que l'écran qui sera un très grand écran de télévision et il n'y aura plus de projecteur. Ça, on sait faire. Et on étudie même la possibilité de le faire ici. Bon, dans 10 ans, il n'y a plus d'écran. Il y a on envoie des rayons en abscisse, on en envoie en ordonnée. Quand ils se rencontrent, ça fait un point lumineux. Et donc, on sera entouré par l'image. Carrément. En 3D, en plus. On aura des personnages viendront à côté de nous. On se retournera, on aura l'arrière de l'image. Ah. Et pour des salles comme les nôtres, si ça existe encore, il y aura un écran fictif. Donc, tous les points vont se réunir sur l'écran pour obtenir l'image. C'est pour ça aussi, c'est notre force. C'est que toutes les nouveautés, c'est chez nous, hein, c'est dans les salles. Parce que le grand public ne peut pas, ça coûte extrêmement cher. Oui, bien sûr. Mais pour nous, c'est des appareils industriels. Bien sûr. Mais dans 10 ans, ce sera sur les téléviseurs. Donc on a toujours un temps d'avance sur ce que peut voir le spectateur, le téléspectateur. Et ça c'est important. Voilà. Donc un appel, des précurseurs. Venez à la Filmothèque, je pense que voilà, vous allez... Avec des films classiques, on est quand même des précurseurs. Voilà, beau paradoxe, effectivement. Merci Jean-Max pour ta passion et ton amour du cinéma et ton travail. Voilà, au plaisir. À bientôt. À bientôt. Voilà. Bien, alors maintenant nous sommes dans l'antre de Ciné-Sorbonne, je crois, avec François Cosse. François, bonjour. Bonjour.
Alors du coup, ton papa effectivement m'a dit que tu étais son binôme pour ce travail de programmation. Alors, je le surveille. Tu surveilles un petit peu tout ce qui... C'est bien. Très important. Ouais. Alors comment tu es venu au cinéma, ta cinéphilie? Je sais que tu as commis un livre sur Peckinpah, hein, par rapport à un film dont on a parlé, que vous avez contribué à restaurer et à réhabiliter. Voilà, comment tu es tombé dans la cinéphilie quand tu étais petit? Je suis tombé dedans quand j'étais petit, grâce à Jean-Max qui a eu sa première salle quelques années avant ma naissance, en 66. Moi je suis né en 70, donc j'ai fréquenté très tôt l'Action Lafayette, j'ai pu découvrir des tas de films voilà, qui ont forgé mon goût pour le cinéma. Alors hormis Peckinpah, il y a d'autres réalisateurs sur lesquels tu aurais envie d'écrire des livres aujourd'hui? Il y en a beaucoup, mais c'est le temps qui manque, parce que quand on s'occupe de la filmothèque, vu la quantité de films qu'on passe, il y a beaucoup de travail. Alors justement, par rapport à chaque semaine, il y a une programmation de combien de films en moyenne à peu près? Ça dépend du type de programmation qu'on adopte. Si en période de sortie, il y en a un peu moins, mais quand on fait des rétrospectives, notre record tourne à 50 films par semaine. Donc c'est quand même... un rythme soutenu. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a les grands projets prochainement? Là, il y a une rétrospective Kubrick, Alain Delon, liée à la Palme d'Or qu'il a eue. Les projets pour l'été ou la rentrée, il y a des choses qui se dessinent un petit peu déjà. On va ressortir deux films de Douglas Sirk, voilà, un réalisateur que nous avons bien connu, puisque nous l'avions reçu dans les années 80, à l'époque à l'Action Christine. Nous allons ressortir Le Temps d'aimer et Le Temps de mourir. Et Mirage de la vie, deux de ses plus beaux mélodrames. On aura aussi une réédition des Moissons du ciel, l'un de nos films fétiches. Pourquoi fétiche du coup? Parce que ça reste l'un de nos plus grands succès à ce jour, et c'est un film magique. C'est le genre de film qui attire toujours du monde, toujours du repasser, monde. Ouais. Et qui est sans arrêt découvert ou redécouvert par de nouveaux spectateurs. Voilà. Et du coup, alors, votre activité de distributeur, là il y a 1900 en ce moment, il y a d'autres films qui vont être en distribution chez vous exclusivement du coup? Tout à fait, je ne peux pas en dire beaucoup plus parce qu'on est en train de les rechercher et de les négocier. Pour le moment rien n'a été signé, mais on espère pouvoir en distribuer effectivement au second semestre. Et donc tout notre rôle c'est de redonner envie et en même temps de ne pas considérer les films comme de simples produits, voilà, mais de les remettre dans leur contexte comme des œuvres d'art. Voilà, c'est vrai que le cinéma... Vaste tâche, parce que... Alors, avec, ça passe par une salle avec un... Il y a un système de son particulier, je crois, dans une de vos salles. On essaye de proposer les films dans les meilleures conditions possibles. C'est pour ça qu'on s'est équipé de projecteurs 4K. On a un peu attendu pour pouvoir faire bénéficier nos spectateurs du 4K au lieu du 2K, parce qu'il nous semblait que le 2K, c'était... une norme qui était un peu juste par rapport à la pellicule 35 mm qu'on proposait avant. Et du côté du son, on s'est équipé en son 7.1 dans la salle rouge. Son 7.1, comme son nom l'indique, voilà, c'est 7 pistes plus un renfort de grave. Et c'est un système qu'on utilise en fait assez rarement, puisqu'il y a très peu de films qui sont équipés. Il y a eu Gravity qu'on a passé, c'était chouette. Je pense que les films qu'on a passés en 7.1 depuis qu'on a installé ce système il y a 2-3 ans se comptent sur les doigts d'une main. Mais ça nous a permis en même temps de mettre à niveau notre équipement sonore. Voilà, tous les films en bénéficient d'une certaine manière. Voilà. Et alors pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a une newsletter qui peut être envoyée, c'est ça, sur demande, avec tout à fait. Les infos. On peut s'inscrire à la salle sur le site de la filmothèque, www.lafilmothèque.fr. Voilà. Et il y a une page Facebook aussi, je crois. Carrément. Une page Facebook qui existe. Tout à fait. Hein, maintenant, on est même sur Instagram. Voilà. Voilà, on se modernise. Vous ne reculez devant rien. On ne se reconnaît plus. Voilà, super, bah, ça fait plaisir en tout cas. À une prochaine. Merci. Merci Stéphane.